Bon, la tête dans le pâté, ça veut pas s'éclaircir? Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. Oui, pour vous. Ouais, finalement, il y aura le lookbook plus. Franchement, regardez, on dirait que je suis dans un studio là, avec la luminosité et tout. Il y aura le lookbook plus un vlog, c'est le dernier jour des vacances, donc autant le vloguer. Tiens, tu peux me tenir mon Gorillapod? S'il te plaît, je vais aller chercher mon téléphone. Merci, mon amour. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu te sens bien, j'ai. Non, mais t'es pas bien dans ta tête, hein? Si, si, ça va. Je vais bien dans ma tête. Donc, dernier jour des vacances pour quasiment tout le monde, sauf pour Corinne. Parce que Corinne, elle a encore une semaine de vacances. Quand? Jeudi. Une moitié de semaine, regardez. Regardez ce bordel. Hein, voilà, l'envers du décor, quand tu sors, bah, c'est que tu as une tonne de matos partout. Voilà, t'en as partout. Voilà. Donc, aujourd'hui, on avait prévu à l'origine d'aller à la plage. Sauf. Et une casquette, c'est Jack. Pas bête, t'as gagné, t'es champion. Qui est-ce un jeu MB? Alors, là, vous pouvez. Hop là. C'est bon, j'ai des lunettes et une casquette. Non, par contre, j'ai pas de casquette. Ouais, je sais. Donc on avait prévu à l'origine d'aller à la plage. Et donc finalement on n'y va pas réellement parce qu'il fait vraiment froid. Mais c'est bon, j'y aurais été. Hein. T'es sûr Batman? Oui. Batman, ça va avec ça? Oui, ça fait gris. Bah ouais, je suis fashion ou tu n'y es pas quoi. Donc j'étais en train de dire quoi? Mais finalement, en fait, il fait vraiment froid parce que là, il fait quoi? Il fait un petit 16, 17. Bah, au soleil, on est bien. 17 degrés et ils annoncent des nuages cet après-midi et du. Et pas très très chaud, 22 degrés, donc je pense qu'on n'ira pas. Alors, on fait notre. Comment dire? Notre. C'est quoi? Une routine. La routine voiture. La petite pompe qui est juste ici. On pompe. On pompe. Eh ouais, routine voiture. Bah là, on a une fuite dans un truc et le mécano il a pas voulu la réparer parce qu'il sait pas. On a une fuite au niveau d'un boulon. Ouais, je vous raconte ma life. Normalement ça devrait être bon. Ou pas. C'est de la routine voiture. Super. Elle est saoulée. Ouais, oh, c'est pas grave, c'est qu'un petit truc à faire. Ouais. Donc voilà, donc nous sommes partis pour des brocantes. Voilà, je vous emmène avec nous. Deuxième brocante. Bon, on part sur la deuxième brocante. Vous avez vu ma femme qui essaye de vlogger un petit peu. C'est un truc de ouf, hein. Donc la deuxième brocante, c'est sur Narbonne Plage. Regardez. C'est plutôt stylé. Par contre, il y a un truc. Alors, il doit avoir un rassemblement de voiliers parce que tout au fond là-bas, là, je sais pas si vous voyez. Ouais, la qualité est pas top. Il y a énormément de voiliers. C'est plutôt stylé. Ouais. Sort, du coup, elle se fait une brocante aussi? Oui. Ah, okay. Du coup, elle se fait une brocante. On y a donné Coquilleuse. Envie. Coquilleuse. Allez, on va faire la deuxième brocante. Deuxième brocante finie. On
On est sorti bredouille. Il y avait rien. Il y avait pas mal d'exposants, pas mal de monde, mais rien de. Ouais. Donc là, Aya est là en train de jouer parce que marcher, ça ne l'intéresse pas. Par contre, jouer, ça l'intéresse. C'est pas brodé, papa, c'est bredouille. Et j'ai dit quoi? Brodé. Bredouille. Non, c'est ta tête qui a dit. Bah oui, j'ai dit bredouille. Donc là, on va partir. Donc là, tout à l'heure, on a fait Saint-Pierre-la-Mer, donc, qui est là-bas. On a fait Narbonne-Plage. Et on va à Gruissan, qui est là-bas. En fait, les trois sont sur la côte. Il y en a une après encore, mais je ne sais pas si on va la faire. Oh, un skater. T'aurais pu te casser la gueule, qu'on rigole tous. Bon, allez, c'est parti pour la troisième. Allez, tu viens, Aya ? Moi aussi, j'aimerais bien. Voilà, tu viens Aya et on y va. Bon, on vient de faire la troisième, alors comme vous venez de voir sur le côté du lac de Gruissan. Donc là on va aller manger, il est 10h10, on va manger où? Il n'y a pas de place, où tu veux, il n'y a pas. Plage? Oui, bah oui, plage. Et en plus il tombe, il y a, je sais pas, il y a plage, il y a salin, il y a le truc des pêcheurs tout au fond là-bas. Oh, parce que dit mer dit qu'ils vont vouloir se baigner et c'est mort, ils se baignent pas, c'est trop couvert hein. On voit, c'est ça, ouais. On voit alors. Alors on vient d'arriver au village des pêcheurs, écoutez le silence olympien. On entend les mouettes sur l'île là-bas. Et sinon c'est nous qui faisons bordel en fait. Non mais sérieusement, on vient d'arriver en fait, on s'est dit, c'est quoi, il n'y a pas un bruit. Ça fait même bizarre aux oreilles en fait. On n'a pas l'habitude de quelqu'un. Ouais, bon allez, on va manger. Et au pire, vu qu'il n'y a pas trop de monde, je vais essayer de faire voler mon drone et faire quelques petits plans et tout avec. Je vais me lisser les cheveux, c'est pas bête ça. On a un broche chauffante. Ouais, je vais l'allumer. Alors ma femme a acheté ça. Une broche, tu l'as acheté où? Hein? Action? Ouais, Action. Broche chauffante de chez Action. Je vais me lisser les cheveux après. Donc nous sommes rentrés comme vous venez de voir. Oui, c'est la maison, donc automatiquement on est rentrés.
Et ma femme a décidé de faire de la pâtisserie pour notre dernier jour de vacances et surtout notre dernier jour de plaisir à l'état pur. Donc des gaufres de Liège, alors dédicace à toutes mes abonnés belges. Hein. On passera à vous pour en les mangeant. Donc il y a quoi dans ta recette ? De la farine, des œufs, du sucre, de la levure et du lait et du gros sel. Ou du gros sel, ouais, vas-y, du gros sel. Attends, on en a là. Du gros sel. Du sucre perlé. Voilà. Donc là, elle a trouvé une recette sur. C'est les cuisines. Je sais plus c'est quoi ça. Femme actuelle ou cuisine plus. Ouais, je crois que c'est ça, femme actuelle. Ouais, cuisine actuelle. J'étais pas loin. Cuisine actuelle. Et donc là. Je crois que c'est bon. Ouais. Ah, purée de pommes de terre. Alors, en fait, elle doit battre les bleus, elle doit battre les jaunes avec le sucre et tout ça, mais le blanc en neige pour que ça soit aéré. C'est trop tard, si t'as mis du jaune dans le blanc, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Minouche. Faudrait bien te faire les carreaux, ma femme. Ouais, je sais, je me prends par la main. Ouais, moi je sais pas les faire. Elles sont vraiment dégueulasses les vitres. Hein. Non, je sais pas les faire. Bon, je vais aller me lisser les cheveux. On va tester ça. Focus, toi. Petit appareil photo. 182 degrés, c'est bon? Non, c'est 200 et quelques. 205. Il est à 185 degrés. Non. Hein? Non. Bah, c'est ouais, je sais, je tripe devant la caméra. Voilà, j'ai une petite frange plutôt bien lissée, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Et je fais tout doux. Je crois que je vais me laisser pousser. Je vais garder mes cheveux finalement. Non. Non. Derrière, non. C'est moi, derrière. Derrière, non, elle a dit. Je vois pas pourquoi. Moi, je suis pas mal. C'est pas bon truc que j'ai pris. Non. Bon, allez. Je vous retrouve tout à l'heure pour la petite dégustation. Tout ça, tout ça. J'en ai parlé de Carrefour ? Non. En fait, je suis dégoûté parce que en fait, hier ou avant-hier, je sais plus, je vous ai dit que j'irais faire développer des photos à Carrefour. Mais en fait, Carrefour était ouvert que ce matin jusqu'à 12h30. Donc en gros, je n'ai pas pu développer mes photos que je voulais avant la rentrée. En fait, je comptais, vu qu'on est rentré pas trop tard, en fait, je voulais rentrer développer les photos et en fait rentrer faire une page pour que vous ayez une page demain soir, ce soir pour vous, et finalement c'est trop tard. Voilà, enfin bref, allez, je vais me poser un petit peu, je vais voir si ma femme elle a besoin d'aide, même si elle va me dire non, j'ai pas besoin d'aide. Voilà, et je vous retrouve tout à l'heure. T'as bien focus là? T'as bien focus sur mes beaux yeux? Alors, les gaufres de Corinne, avec un côté pas cuit, un côté trop cuit. Pourquoi tu me regardes? T'as de beaux yeux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Moi, elles sont bonnes tes gaufres. Un peu trop sucrées à mon goût. C'est toi qui s'est enflammé sur le sofa. En fait, la dernière fois, on en a fait. On a fait des gaufres.
et à manquer un chouïa de sucre. Donc tout à l'heure, quand on a fait, j'ai pris le bout de sucre. T'as mis combien? Elle me dit, ah, j'ai mis ça. Et en fait, j'ai repris un peu de sucre. J'ai fait. Donc elle a remis de la farine après, parce qu'elle n'était pas assez épaisse. Et vu qu'elle a remis de la farine, bah automatiquement, faut remettre du sucre. J'aurais pas dû. Ça va être bon pour le diabète, tout ça. C'est bon pour le diabète. Bah, en tout cas, on sent pas les morceaux de sucre comme dans celle du magasin. Ah là, il y a un gros morceau de sucre. Bah, je l'ai juste vu, je l'ai pas senti dans ma bouche. Enfin bref. Fais quoi après? Si mon spa est chaud, je vais dans mon spa. D'accord. Moi, je vais aller travailler. Ouais, ouais. Dans la vie. Ouais. Tu veux pas faire mon montage de vidéo à ma place? Ou pas? Je garantis pas la chose. Hein. Tu veux faire mes commandes à ma place? Je connais pas les noms que tu peux chercher. C'est que des badges. Je connais pas les noms que tu peux chercher. Ça marche pas cette excuse? Non. Oh mince. Surtout que c'est pas dur. Hein. Il y a marqué citrouille, il y a marqué tête de mort, il y a marqué Halloween. Mais je peux pas, c'est sur ton PC que tu fais le montage, les commandes. Ah ouais, c'est pas faux. Ah, donc tu vois, même si j'ouvre la télé, je peux pas. Sinon, j'ai commencé à regarder les vidéos du drone lac des. Au Salin, ouais, on va dire que c'est le Salin. C'était le village des pêcheurs. Où c'était plutôt pas sympa. Hein. Ouais. Ça fait des belles vidéos de drone. Hein? Hein? Ouais, tu les as, les flamants, ou pas, alors, les flamants? Non, là, je suis juste en train de. Avant que tu me dises, faut goûter. J'ai regardé la vidéo où on est dans la voiture. Où je commence juste à voler avec la voiture. D'accord. Non, tu voles pas avec la voiture. Je vole avec mon drone à côté de la voiture. C'est mieux. Parce qu'on m'a dit que je faisais pas assez souvent ça. De nous voir voyager. Quand il y a 10 000 personnes derrière, c'est un peu compliqué. Ouais, j'avoue, en ce moment, bah là, ça. Ça commence, oui et non. Parce qu'en fait, partout où on s'est posé, il y avait du monde. Il y a que des retraités. C'est que des retraités maintenant. Alors on m'a dit, parce qu'on m'a dit que mon projet, parce que la dernière fois je vous ai dit que j'avais un projet, c'était de livrer les personnes dans toute la France. Alors non, ce n'est pas ça. En fait je m'enlève juste le sucre de la bouche là. En fait ce que je vais faire, je vais vous expliquer un peu, parce que j'ai déjà commencé hier un pseudo prototype. En fait c'est ça. Vous voyez mon Zafira? Ouais, en fait, je suis en train de lui installer un truc comme ça. Donc, pour le moment, c'est un prototype. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en mode. Vadrouilleur. Je sais pas comment dire. En mode aménagé. En gros, je vais. Je vais faire en sorte qu'on puisse mettre un matelas dedans, en fait. Donc là, vous avez vu, il y a une planche. Et je vais refaire deux. En fait, on peut baisser les deux sièges. Je vous expliquerai plus. Je pense que demain, vu que c'est la rentrée scolaire, je pense que je vais m'y mettre dessus. Bien sûr, je vais faire une page de scrap, promis. J'ai même des ATC à faire, des ATC scolaires, parce que j'ai mon appel de carte ATC scolaire. Oh, je viens de penser à un truc. C'est ça? Tu penses à quoi? Mon concours. On est le combien? On est 3. Oh, j'ai oublié de tirer au sort le concours. J'ai complètement zappé. Donc je vais. On est parlé le matin et le soir après. Bah oui, bah, le 31, on était où? On était en Espagne. Ah bah oui, c'est. Ah, bah oui, on était en Espagne. Ah, oui, et en fait, tu m'en as parlé, on était en Espagne. Et j'ai dit oui, je vais le faire en rentrant. Mais vu que en rentrant, on était. Donc j'ai mon tirage au sort de alors mes ATC, ma page Facebook et de mon YouTube. Donc je vais faire ça dans la. Bah vous savez quoi, je finis de mon café et je vais me lancer là-dessus. Voilà. On se retrouve. Ouais, j'ai vraiment une coupe de cheveux de ouf. Hein. On m'a dit j'avais minci du visage. Je pense que non, je pense que c'est mort. Hein. Je crois que l'été m'a flingué mon régime de toute l'année. Même si mon régime ne durait pas trop. Donc, alors, sur Facebook,
63 commentaires. Alors je vais aller là-dessus, je vais cliquer sur l'URL, je vais marquer identifiant winner. Et ça sera identifiant winner. Winner by comment. Voilà. One out of 63 who comment this post. Alex perso. Donc je crois que c'est un garçon, Alex perso. Et en plus, il a une photo genre à Disney, quoi. Non, mais je suis pas d'accord. C'est quoi, t'as pas gagné. Juste parce que t'es en photo à Disney. Non, non, plus sérieusement, ouais, Alex perso. Alors, hey, je vous montre, hein, je suis sérieux. Regardez, à croire que le truc, hop, je coupe pas pour justement. Alors, il y a Alex perso focus. Donc Alex perso, et il y a même Jean-Philippe. À croire, hop. Alors attendez, je ne fais pas de coupure juste pour vous montrer que c'était du réel. À croire que le site voulait absolument que ça soit un garçon qui gagne. Donc moi j'ai pris le premier, hein, parce que il y a trois. Il y a celui-là qui a commenté, il y a celui-là qui a eu commenté et liké, donc c'est pareil. Et celui-là qui a eu le plus de likes sur son commentaire. Donc moi je prends le premier pour être voilà, pour être impartial. Donc Alex perso, donc je sais pas si tu regardes mes vidéos, donc je vais le noter, Alex perso. Alex, je vais pas le noter. Ah, ça va être un long vlog aujourd'hui, hein. Ça va être un long vlog photo que je vais diffuser demain avec mon vlog, comme ça. Donc Alex perso pour la page YouTube. Donc maintenant à la page YouTube, je vais faire un petit supprimer. Je peux pas supprimer, modifier. Je peux pas supprimer, je peux pas modifier. Donc enfin, bref. De toute façon, hop, c'est où? Donc maintenant, parmi YouTube, my video. Donc là, je vais être obligé de couper juste pour que je trouve ma vidéo. Bon, après 10 minutes, un quart d'heure de triage de commentaires, parce que finalement, j'avais pas envie que ça ressorte un petit t'as vu, un petit tout ça. J'ai laissé ma sœur. Elle est hors concours, mais j'ai laissé ma sœur dedans parce qu'elle a commenté dedans. Je le sens bien. Genre, je vais tirer au sort, ça va marquer Ludivine. Bah, une famille d'enfer, pas Ludivine. Allez, c'est parti. On refait, on fait ça propre. Hop, on cadre un peu. Vous voyez rien, c'est pas grave. Tirez au sort. Et non, c'est Elodie VDC. Alors, c'est dommage parce que elle était à... Voilà. Hop là. Ouais, c'est de la folie, cette vidéo, c'est de la folie. Donc c'est dommage parce qu'elle était sur Gruissant il y a pas si longtemps que ça. J'aurais pu te donner ton lot. Mais bon, photo. Deuxième photo. Et donc là, je vais aller prendre non, pas vidéo mais photo. Tac. Troisième tirage au sort. Hop. Allez, on focus, on fait tirer au sort, ouais, on focus, j'ai dit, les trois noms, prénoms, tous les prénoms sont là, on fait tirer au sort, et on fait Christelle Leclerc. Ouais, c'est cool, on se tape des pauses pour faire des tirages au sort. On va faire juste ça, voilà. Donc j'ai fait mes trois tirages au sort, la petite photo bien sûr pour demain matin, bah pour vous ce matin, que j'aurais mis sur Facebook. Moi je les prends pour demain matin pour Facebook, voilà, hop. Ce qui est chiant, c'est que je suis obligé d'avoir Red de SFR, quoi. Genre le mec il fait de la pub pour Red de SFR. Il pourrait me faire des trucs. Tu boudes ? Ah ouais, mais c'est pas grave. Son spa, il est pas chaud. Donc voilà. En tout cas, j'aimerais vous remercier pour tout ça, pour toutes les personnes qui commentent, pour toutes les personnes qui partagent, pour toutes les personnes qui m'envoient des cartes. Donc je vais faire j'ai l'impression d'avoir les yeux rouges. Je vais faire une...
moi mes ATC scolaires. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer. Comme maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois, je pense en faire un tous les mois. Donc un petit appel ATC. Donc là, pour septembre, si vous voulez, je peux vous même, si vous voulez faire un regroupement d'ATC. Septembre, c'est scolaire. Octobre, c'est Halloween. Donc voilà. Après, ça sera sûrement. Je dis sûrement parce que je sais pas. Sûrement hiver pour novembre et Noël pour décembre. Ouais, on va faire ça. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à m'envoyer une petite carte. Je referai un tirage au sort à la fin du mois de septembre. Voilà. Allez, vous savez quoi ? Je suis un malade. Moi, je suis un dingue. Hein, vous me connaissez, je suis un dingue. J'ai sorti trois noms comme ça avec pour un concours. Les lots sont là. Bah, les lots. Il y a un petit lot là. Regardez. Hop, pour vous dire, il y en a un et je vais juste rajouter quelques, je pense, un ou deux pochoirs. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Ça fait un mois que je l'ai préparé. Donc, il y a deux tampons, il y a des badges, il y a des mots et je vais rajouter un ou deux pochoirs. Allez, deux ou trois pochoirs. Ouais. Ouais, non, ce que j'allais dire, je vais rajouter les pochoirs de mois de septembre. Non, le mois de septembre, en fait, non, je vais les garder. Je vais les garder, on sait jamais. Mais je vais rajouter. Mais voilà, je vais rajouter trois pochoirs. Moi, je suis un dingue. Moi, je suis un dingue. Et. Ouais, le vlog qui dure trop longtemps. Et je vais rajouter. Pas pour les gagnants, pour tous ceux et celles qui ont perdu, pour tous ceux et celles qui aimeraient commander, je vais ajouter un petit code promo. C'est cadeau, c'est pour moi. Le mec, il pète un câble. Le mec, il s'est pris pour Cyril Hanouna, quoi. Allez, c'est cadeau, c'est pour moi. Hop, un petit code promo, ça sera allez. Nous sommes. Demain, c'est la rentrée, donc pour vous aujourd'hui, c'est la rentrée. Nous sommes en 2017, donc ça sera rentrée 2017. Allez, c'est cadeau. Ouais, je sais, je pète un câble. Donc, n'hésitez pas, voilà. Donc, il sera valable que aujourd'hui et demain. Parce que je sais que certaines personnes rentrent aujourd'hui, donc lundi, et d'autres rentrent mardi. Donc, voilà, ça sera rentrée 2017. Je sais que les 5e, 4e, 3e rentrent le mardi. Moi, ma fille, elle rentre demain. Bah, tout le monde rentre demain, nous, chez nous. Ça sera un vlog rentrée scolaire, je pense. Donc, entre ma fille qui rentre en 6e, mon fils qui rentre en CE2 et ma fille qui rentre en CP. Donc, surtout 6e et CP, les deux filles. Donc, je pense que c'est des grosses étapes. Voilà, enfin bref. Je vais arrêter ce vlog-là. J'espère qu'il vous aura plu. Le mec, il se prend pour Post Bleu. Allez, Post Bleu, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ? Post Bleu, le Post Bleu. Enfin bref, voilà, n'hésite pas, comme d'habitude, partage tes humeurs, partage tout ça, je lis tous vos commentaires, comme d'habitude. Hein. Karine, viens en privé, j'ai lu ton commentaire, tu peux venir en privé, vas-y, viens. je rigole, bien sûr. Ma femme lit tous les commentaires. Voilà, allez, j'arrête là. Je vous dis donc à demain, si tout va bien. Tchou!